L'année dernière, à cette époque, on a fait le premier repas nominoé. Et donc, on renouvelle cette deuxième fois. Il y a 44 ou 45 tables, je crois. Alors, je ne sais pas, la 44e ou 45e doit être dans le fond. Donc, ça veut dire qu'on est entre 420 et 430 personnes. C'est très intéressant. Alors, on remercie tous les participants parce que Nominoé a besoin de tout le monde. Et donc, moi, je ne vais surtout pas vous faire un grand discours. Le seul but et la seule fonction que j'ai dans Nominoé, c'est d'essayer de récupérer de l'argent, de récolter de l'argent auprès de tous ceux qui veulent bien donner. Et quels que soient les montants, c'est 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros, si vous voulez. Même moi, on est capable de le prendre. Il n'y a pas de problème. On n'est pas aux États-Unis, hein, donc on ne rêve pas quand même. Mais je tenais vraiment à remercier tous les présents pour de participer. Et puis, j'espère que les intervenants de ce soir, donc Karim, Yannick et Jean-Yves, vont vous faire participer et vous participer de leur expérience. Et moi, je vais m'arrêter là parce que si je parle de médecine, ça va vraiment pas être mon cheval de bataille. C'est pas mon truc. Hein. Je suis plutôt consommateur depuis quelques temps, malheureusement. Hein. Voilà, le moins possible, mais bon, on choisit pas. Merci beaucoup. Et puis, je passe la parole à Véronique, qui va vous, donc la directrice du CHU, qui va vous parler de tout ce qu'essaie de faire Nominoé, ce qu'a fait Nominoé, et surtout ce qu'on va faire, parce que ce qui est plus important, c'est ce qu'on va faire. Ce qui est fait, c'est bien, mais c'est du passé. Merci. Merci, Jean-Paul. Restez là. Je vous soutiens. Happy birthday to you, Jean-Paul. Happy birthday to you. Ah oui, mais là, vous nous cassez la surprise parce que c'était prévu, mais un peu plus tard. C'est pas du tout l'objet, parce que si j'avais autant de mon anniversaire, je pense que je serais peut-être président de la République, mais c'est pas le cas. Surtout pas, j'en veux pas. Merci. Bon anniversaire. Merci, Véronique. Alors, Madame la sénatrice, Madame la vice-présidente de Rennes Métropole, chers professeurs, chers docteurs, chers mécènes, chers amis, cher Jean-Paul, merci beaucoup d'être là très nombreux ce soir. On est vraiment très, très heureux de faire cette deuxième soirée, ce deuxième dîner-conférence après le grand succès du premier dîner-conférence l'année dernière qui a lieu sur le thème de l'alimentation, la vérité si je mange, c'était le thème. Ce soir, ce sont les Big Data et on est très heureux et je voudrais remercier Jean-Paul de nous accueillir dans ce magnifique endroit du Château des Pères et de l'Orangerie. Et on espère bien sûr que vous allez passer une excellente soirée. Alors effectivement, quelques mots de Nominoé. Nominoé, ça a été le premier fonds de dotation d'un CHU créé en France. C'est un vrai succès puisqu'il a été créé en 2014 et maintenant il réunit 1000 mécènes. Il est particulièrement dynamique. Je crois qu'on peut dire qu'il est le plus dynamique des fonds de dotation de province. Parce qu'évidemment, il y a à Paris d'autres fonds de dotation. Et je remercie Marie-Louis, notre déléguée générale, là, qui est vraiment une actrice et une cheville ouvrière majeure du fonds et qui a permis ce développement, a accompagné ce développement avec l'ensemble des mécènes. Alors, Nominoé, c'est un fonds qui met en relation des entreprises, le monde économique et le monde de la santé et le monde du CHU et donc les professeurs de médecine, les médecins, les soignants du CHU dans l'objectif de rendre un meilleur service de santé aux Bretons. Je dis d'emblée d'ailleurs que Nominoé ne vise pas du tout à combler des déficits. Le CHU est à l'équilibre et même en excédent budgétaire. Donc je le rappelle aussi, c'est important, je pense. L'argent des mécènes sert à des projets d'amélioration de la santé au quotidien des malades, mais ne sert pas à financer des moyens qui sont investis de manière massive, d'ailleurs, puisque nous investissons plus de 30 millions d'euros par an dans notre CHU. Et comme vous le savez, nous avons aussi un grand projet, un projet de reconstruction de notre CHU qui avance bien, conformément à nos délais prévus. Alors, Nominoé a permis, effectivement, de mettre en œuvre des améliorations concrètes et rapide au service des malades. C'est cela aussi qui le différencie d'ailleurs d'autres fonds de dotation. Nous avons choisi plutôt d'accompagner des projets de recherche à 5 ou 10 ans ou des projets ciblés sur certaines disciplines, d'accompagner des projets d'amélioration concrète et rapide pour les malades de la prise en charge. Nominoé a financé la rénovation des maisons des parents à l'hôpital Sud, une biobanque qui permet de mieux comprendre les déterminants des maladies.
un dispositif de relaxation pour les patients en fin de vie. Je sais que Vincent Morel est là dans la salle et c'est vraiment un atout considérable pour les patients qui sont en grande difficulté dans ces situations de fin de vie. Nomino a aussi permis de financer des tablettes connectées dans plusieurs services du CHU pour favoriser le contact avec les familles et pour les malades, bien évidemment. Et Nominoé a aussi permis d'améliorer, à titre d'exemple, la prise en charge des enfants en imagerie pédiatrique grâce à des décors, grâce à un environnement qui permet de diminuer le stress des enfants face à un examen comme un scanner ou une IRM qui peuvent être des examens particulièrement anxiogènes pour les enfants. Donc des choses concrètes. Et Nominoé, c'est aussi un accélérateur de projets pour des actions transversales, encore une fois, au service des patients. Et nous avons de nouveaux projets, bien sûr, au-delà de tous ceux que je viens de citer, et notamment, et les mécènes y tiennent, et je voudrais le dire, la dynamique de nouveaux projets est très importante dans Nominoé. Nous allons, et nous espérons, et j'espère que la soirée de ce soir y contribuera, pouvoir développer un système numérique en anatomopathologie. Il faut savoir que la discipline anatomopathologie, peut-être que Nathalie Rioux-Leclerc, la chef de service, est sans doute présente ce soir, est une discipline qui sert dans la prise en charge de nombreuses maladies, les cancers, les maladies neurogénératives et plein d'autres de prises en charge. Et nous serions le premier site en France, si nous pouvons financer ce projet, à mettre en place une numérisation totale de l'anapath, ce qui est une relative révolution pour cette discipline, et qui nous permettra aussi d'ailleurs d'aider tous les centres hospitaliers bretons, bien au-delà de Rennes et du CHU, pour avoir des examens de qualité égale à celle que nous avons au CHU, avec une rapidité diagnostique et une qualité aussi d'image et d'interprétation des données qui sera très largement améliorée. Donc c'est un de nos projets majeurs pour l'année qui vient, et nous comptons bien sûr sur votre soutien pour participer à la mise en œuvre de ce projet. Et puis le deuxième projet, il est dans la suite de la conférence de l'année dernière sur l'alimentation. Nous souhaitons, et c'est une idée de Karim Boudjema, et je l'en remercie sincèrement, puisqu'il a permis de lancer cette idée qui est tout à fait originale, d'avoir un label santé Nominoé pour les repas des patients. Vous savez que les repas, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à l'hôpital. On a une qualité des soins exemplaire, particulièrement au CHU, mais on a beaucoup à faire, même si on travaille beaucoup sur le bio, sur des circuits locaux au CHU, pour améliorer les repas. Et ce label santé Nominoé permettra d'améliorer la prise en charge des patients dans le domaine de l'alimentation. Et c'est un autre grand projet que nous avons à court terme. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voudrais surtout remercier, bien sûr, tous les participants ce soir, vous remercier, que vous soyez mécène ou non, mais merci beaucoup très chaleureusement de votre présence ce soir. On y est vraiment très, très sensible. Remercier, bien sûr, tous les membres du conseil d'administration. Et je voudrais les saluer personnellement, individuellement, parce qu'ils jouent un rôle vraiment essentiel pour leur implication, par leur engagement dans le soutien de Nominoé. Marie-Yvonne Le Duff, merci beaucoup de votre présence et de votre implication. Je ne la présente pas, je pense que tout le monde la connaît. Alain Glon, merci aussi beaucoup Alain. Un des premiers aussi impliqués dans Nominoé. Pierre Le Duff, qui est là aussi. Merci beaucoup Pierre. Bravo aussi à vous et merci pour votre engagement. François Châtel, je ne sais pas s'il est là. Il n'a pas pu être présent, donc je voudrais l'excuser. Alain Leroc, qui n'a pas pu aussi, je crois, être présent ce soir parmi nous, mais on a une pensée pour lui. Jacques Delanoé, également, qui n'a pas pu être présent ce soir, mais qui est aussi... avec le président. Voilà, qui était avec le président. Bon, donc, il a une circonstance voilà, d'excuse évidente. Et puis, je voudrais remercier, bien sûr, tous les professeurs du CHU qui, à la fois, sont là ce soir, et puis particulièrement Karim Boudjema, qui préside le conseil scientifique de Nominoé, bien évidemment. Également, qui est très, très impliqué, qui a beaucoup d'idées. Yannick Malédan, anesthésiste réanimateur. Je n'ai pas présenté Karim Boudjema, pardon, mais tout le monde sait que c'est monsieur transplantation du foie en France, hein, puisque nous avons le deuxième service de France dans la transplantation du foie. Il est chef de service de chirurgie digestive et patobiliaire. Yannick Malédan,
anesthésiste-réanimateur, ancien président de CME, de multiples titres que je ne vais peut-être pas tous détailler, mais qui s'implique toujours énormément dans notre CHU, et un des premiers aussi impliqués dans Nominoé. Merci beaucoup Yannick. Jean-Yves Govrit, chef de service de neuroradiologie, chef du pôle imagerie, qui va être un des conférenciers de ce soir également sur le Big Data. Merci beaucoup Jean-Yves. Et puis nos deux femmes professeurs de médecine, Sylvie Audan, généticienne, éminente généticienne, spécialiste du plan maladie rare, et qui a été aussi une des premières à s'impliquer dans le fond, avec Nathalie Rioux-Leclerc, chef de service d'anatomopathologie, que je remercie aussi, qui est très impliquée également dans le fond. Et puis je voudrais remercier Jean-Paul, hein, évidemment. Jean-Paul, ça a été le premier, le président du Cercle des mécènes. Il est là, toujours en rendez-vous, toujours présent. C'est grâce à lui que Nominoé aussi se développe et se renforce. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Paul. Alors ce soir, le thème, c'est le Big Data. Le Big Data et l'intelligence artificielle, tous ces sujets qui peuvent inquiéter, en même temps qui suscitent énormément d'espoir. Hein, le Big Data, ce sont l'utilisation des données massives en santé. Il faut savoir qu'au CHU de Rennes, nous sommes pionniers dans ce domaine, puisque nous avons créé le premier entrepôt de données cliniques des CHU, et nous l'avons d'ailleurs déployé sur l'ensemble des CHU du Grand Ouest. Le professeur Marc Cudjia, d'ailleurs, qui coordonne cet entrepôt de données sur l'ensemble du Grand Ouest, est aussi copilote de la mission nationale sur ce qu'on appelle le F-Data Hub, c'est-à-dire la volonté par les pouvoirs publics, justement, d'avoir un modèle français et européen qui ne soit pas celui des DAFA sur la gestion des données en santé, et qui apporte aussi la protection éthique, le respect du secret, de la confidentialité des données aux patients et à la population. Et nous sommes pleinement impliqués dans ce projet. Ce thème-là, donc, bien évidemment, c'est plus pour demain de médecine personnalisée, plus de médecine prédictive. Et ça suscite des inquiétudes, bien sûr, pour éviter une marchandisation des données, pour s'assurer, je le disais, des règles de protection éthique des données, et pour aussi garder l'intelligence humaine qui devra toujours dominer l'intelligence artificielle et la relation patient, médecin ou patient soignant qui devra toujours être première avant même l'utilisation de la technologie. Mais ça, je pense que nos éminents responsables du CHU médicaux vont vous convaincre de l'intérêt que l'intelligence humaine domine l'intelligence artificielle et que les données massives soient utilisées à bon escient dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup à vous et je vous souhaite vraiment un excellent dîner et une très très bonne soirée. Et je vais tout de suite passer la parole à Karim Boudjema. Et j'espère que vous serez convaincus à la fin de cette soirée de l'intérêt de ce sujet. Et également, je suis persuadée que nos intervenants seront avec beaucoup de, non seulement leur excellence scientifique habituelle, mais aussi leur côté percutant, pédagogique et drôle aussi, vous faire passer une très bonne soirée sur un sujet technique. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, chers amis de Nominoé, qu'il est bon de vous voir aussi nombreux ce soir. Il faut croire que le sujet dont nous allons parler vous intéresse, vous passionne. Comme il est essentiel d'ailleurs aux milliers de patients dont nous nous occupons tous les ans au CHU de Rennes. L'intelligence artificielle, le big data est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Alors, big data, big médecine, big santé, il y a entre ces trois idées un trait d'union évident, c'est l'accumulation de données qui va permettre de faire de la très bonne médecine pour l'individu et pour finalement améliorer la santé de tous. C'est ainsi qu'il faut le concevoir. Mais pour faire le trait d'union entre ces trois notions, big data, big médecine, big santé, il faut nécessairement des modes d'emploi, des algorithmes. C'est pompeusement ce que l'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, des fonctions que l'on met en place entre des données et les résultats de leur exploitation. Alors c'est pour ça que ce soir, nous vous servirons aussi beaucoup d'intelligence artificielle autour de ce thème Big Data, Big Médecine et Big Santé.
Alors, pour vous mettre en appétit, je vais un petit peu vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Le plat de résistance, ce sera Jean-Yves Gauvrit qui vous le délivrera. Et vous verrez que sur le sujet, il est intarissable et passionnant. Et pour le dessert, c'est le professeur Yannick Malédan qui, à travers quelques anecdotes que je qualifierais de croustillantes, donc, vous dira en quoi finalement l'intelligence artificielle, certes, mais que le maître du jeu reste tout de même le médecin et l'homme. Alors aujourd'hui, quand on exerce le soin, c'est plutôt ça, ce que je vous montre sur cette diapositive, c'est-à-dire des cerveaux humains qui utilisent des données, des datas. Ces datas sont emmagasinées pendant des années pour, à partir de règles très simples, des algorithmes, donc, appris sur les bancs de l'école et à l'université, nourris par l'observation, par la recherche aussi, permettent de déduire et de faire des diagnostics, de mettre en œuvre du conseil, de la prévention et de la prise en charge des malades. Donc le métier de soignant, finalement, vous comprenez que cela s'apprend, on accumule, puis cela s'applique. Je m'explique. Un soignant, c'est d'abord ça. Un soignant, c'est d'abord ça. Une tête bien pleine. Enfin, presque toute est tête bien pleine. Une grosse mémoire pour se faire une grosse bibliothèque, alimentée pendant des années. Et souvent, mais pas toujours, tout au long de la vie. Les informations qui sont contenues dans cette mémoire sont, vous l'avez compris, parfois importantes, parfois insuffisantes, et plus ou moins bien organisées. Et elles seraient inexploitables si nous n'étions munis d'intelligence, c'est la matière grise, plus ou moins épaisse selon les individus, évidemment, capable de processer les données plus ou moins vite, plus ou moins rapidement, en appliquant les fameux algorithmes dont je vous parle depuis le début de mon exposé, qui ont été appris dans les livres pour leur donner du sens. En médecine, ce sens, c'est le diagnostic, le traitement, le conseil qui amène à la guérison ou parfois simplement, mais c'est déjà énorme, à l'apaisement. Et puis, un médecin, pour alimenter sa base de données, ça a besoin de mettre en œuvre le produit de sa réflexion. Et donc, ça a besoin de ses outils. Les outils d'un médecin, ce sont les sens. La vue, d'abord. Vous avez compris que sans vue, on ne peut pas, ou presque pas, ou en tout cas mal apprendre. Et puis, sans vue, on ne peut pas observer le malade. On ne peut pas observer l'état de sa peau, par exemple. On ne peut pas observer la couleur de ses conjonctives. On ne peut pas observer l'aspect d'un bouton, on ne peut pas observer une image radiologique, ni même une coupe histologique, une myriade de petits détails qui vont finir par nourrir son enquête et lui permettre d'exercer le soin. L'ouïe, essentiel, l'ouïe, pour écouter, par exemple, les bruits du cœur. Vous savez, j'ai mis des années à bien intégrer ce que pouvait être le bruit d'un cœur insuffisant. Ça fait poum tata. Pendant des années, on m'a dit, écoute, tu vas entendre, c'est poum tata. Je n'ai jamais réussi à entendre le poum tata, mais peu importe. Et le rétrécissement mitral, ça fait roum, roum pouf tata. Et quand on entend roum pouf tata, c'est un rétrécissement mitral. Donc vous voyez, l'ouïe, pour le docteur, c'est essentiel. Et quand on écoute les poumons, on écoute les alvéoles se défroisser. On appelle ça le murmure alvéolaire. Vous voyez, la sémiologie auditive est extrêmement riche. Et quand le poumon est un petit peu humide, les alvéoles crépitent. Et véritablement, on entend dans les poumons comme lorsqu'on pince une mèche de ses cheveux. Essayez, ceux qui en ont encore, vous verrez, on y arrive. Et c'est exactement cela dont il s'agit.
Un soignant, ça a besoin de toucher. J'ai dit de toucher, pas de palper. Avec ses mains en particulier, pour examiner un ventre, pour prendre de l'information, pour parfois ouvrir le ventre, pour retirer une vésicule ou un appendice malade. Un soignant, ça a aussi besoin de son nez, figurez-vous. J'apprends tous les jours à mes étudiants à reconnaître, en entrant dans la chambre d'un malade, l'odeur très particulière de l'haleine qu'ont les gens qui ont une grande insuffisance hépatique, ou encore ceux qui n'ont pas mangé depuis 3-4 jours, qui ont une odeur très particulière d'acétone. On a besoin de son nez pour faire des diagnostics. 1, 2, 3, 4. Il manque. Si, je vous assure, un médecin, ça a aussi besoin de sa bouche et de sa langue. Non, je plaisante, pas du tout, je vous rassure, c'est fini, mais ça a été vrai. Ça a été tout à fait vrai. Au siècle dernier, on goûtait les urines pour détecter le diabète sucré. Dans ce que l'on appelle la gouttière anatomique, ceux qui avaient une grosse n'avaient vraiment pas de chance. Il arrivait également de poser les lèvres sur le front pour mesurer le niveau de la température. Alors vous souriez bien sûr, mais cette pratique n'a disparu que parce qu'elle a été remplacée. Et elle a été remplacée par quoi ? Par le thermomètre et par le glucomètre. Et le thermomètre et le glucomètre, c'est le progrès. Ce sont des outils qui intègrent des données et qui vous permettent de progresser. De progresser d'abord parce que c'est moins désagréable, évidemment, de travailler avec un glucomètre ou avec un thermomètre. Puis aussi, c'est extrêmement fiable, c'est reproductible, ça donne des valeurs justes, ça donne du sens à tout ce que l'on observe et ça enlève toute subjectivité à ce qui y apparaît. Alors, reprenons. Connaissance, somme de toutes les informations que j'ai pu emmagasiner tout au long de ma vie professionnelle. Ces connaissances, franchement, elles pourraient être aujourd'hui remplacées par un disque dur. Et ceux des ordinateurs ou des data centers, ces connaissances-là, elles sont capables de stocker des milliards de fois plus que je ne pourrais le faire toute ma vie, des milliards de fois. Mes connaissances accumulées à la faculté de médecine sont ridiculement ridicules à côté de ces big data, de ces données énormes qui, en plus, sont classées. Les miennes ne le sont pas toujours. Donc, à quoi bon, quand on voit cela, vouloir incurgiter tout ce qui se fait, tout ce qui est susceptible de constituer une connaissance, alors que les machines le permettent et surtout permettent d'y accéder instantanément. Voici donc ce que va devenir progressivement le cerveau du soignant demain. Un cerveau pas complètement vide, je vous rassure, mais pour le plus grand bien des malades, en permanence connecté à une source illimitée, exhaustive, sur toutes les connaissances nécessaires pour faire un diagnostic, établir un pronostic, discuter la meilleure option thérapeutique face à une multitude de traitements possibles. Finalement, le big data, ça permet de la grande médecine. De la médecine où la part de l'aléa s'amenuise, où le subjectif est de moins en moins de place. Une médecine, en plus, égalitaire, parce que tout le monde a accès à la même connaissance. Pour nous, chirurgiens, finit la nécessité d'avaler véritablement ce qu'on appelait le Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'était ce livre qui faisait 600 pages, et qui décrivait dans le menu détail tous les ventres aigus de l'abdomen, celui que tout chirurgien, tout interne en chirurgie devait connaître sur le bout des doigts, et c'est vraiment terminé. D'ailleurs, à ce sujet, une histoire très triste à vous raconter. Un de mes anciens internes m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il était traduit au pénal, parce qu'il était passé à côté du diagnostic chez une femme, jeune, un petit peu rondelette, je dis ça parce que l'examen clinique est toujours un petit peu difficile, qui était constipée depuis 8-10 jours, qui avait un peu mal partout, sans vraiment dire où, et qui avait 38 de fièvre.
difficile à examiner. Il se demande ce qu'est-ce que c'est, il n'arrive pas à comprendre, la famille est autour, on dit qu'elle est constipée depuis longtemps, s'inquiète pas, et le lendemain, quand il va la voir, la dame est décédée. Il aurait peut-être dû, mon ancien interne, adhérer à l'idée de l'intelligence artificielle et du big data, et à la place des big data pour faire des diagnostics. Alors, j'ai repris les éléments qu'il m'a donnés parce qu'il voulait absolument avoir mon conseil, et j'ai donc... mis sur Google femme, douleur abdominale, 38, constipation. 0,65 secondes, 31 700 sorties, au premier rang appendicite aiguë, c'est ce qu'avait cette femme. Elle avait une appendicite aiguë. Autrement dit, voilà la puissance du big data. En un quart de seconde, on interroge et... la probabilité, face à la multitude des données qui sont emmagasinées, qui ont pu être classées, fouillées, on arrive immédiatement au diagnostic souhaité. C'est la tête est donc, vous l'avez compris, bien pleine aujourd'hui, parce que les big data sont accessibles immédiatement. Mais il faut aussi, autour de cela, de l'intelligence pour pouvoir exploiter les données. Alors, pour le soignant, l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité qu'il a à appliquer aux données des règles apprises sur les bancs d'université. Et là encore, nous ne pouvons plus rivaliser avec l'ordinateur. C'est impossible. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques années, je crois 3-4 ans, il y a un super ordinateur, AlphaGo, qui a battu le champion du monde du jeu de Go. 4-1. 4-1. Pas beaucoup, mais enfin, battu à plate couture. Et AlphaGo, pour réaliser cet exploit, on lui avait bourré dans la tête des centaines de milliers de parties jouées par les meilleurs du monde. Et l'ordinateur avait exploité ces données, avait essayé de retrouver à chaque coup joué dans son magasin de data la partie qui était en cours, et il a fini par gagner 4-1. Mais AlphaGo vient d'être battu. Vient d'être battu, pas par un homme, pas par un champion de Go, par un autre ordinateur. Par un autre ordinateur à qui on a appris simplement une chose, c'est à utiliser... non pas les centaines de milliers de données qu'on lui mettait dans la tête, mais tout simplement les règles du jeu de Go qui tiennent sur une page. Et pour vous donner une idée de la puissance de l'intelligence aujourd'hui, que l'on représente ici par un circuit imprimé, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, pour vous dire que finalement, il y a du big data, il y a de l'intelligence à des niveaux tout à fait exceptionnels et on ne voit vraiment plus ce que nous pourrions, nous, apporter pour exercer une médecine d'excellente, d'excellente qualité. Alors, à quoi ça sert tout ça, Big Data? Ça sert à quatre choses, essentiellement. Ça sert à transformer notre mode d'exercice. Ça sert à identifier ce que l'on appelle les facteurs de risque des maladies. Donc, ça va servir à prévenir les maladies. Ça sert à personnaliser les traitements, à faire que chaque individu soit considéré comme un individu et soit soigné de façon unique. Et ça sert aussi, très important, à vérifier l'efficacité des médicaments que nous utilisons chez ces personnes. Alors, très rapidement, pour vous faire rêver un petit peu, là, aide au diagnostic, nous allons très vite, tout droit, vers la notion de docteur numérique. On a les big data, on a l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, mais oui, mais les sens, là, on ne les a pas, les sens, c'est l'œil, l'ouïe, le nez, la bouche, la langue, tout ce que vous voulez, les mains pour palper, ben, c'est fini. Tout a été remplacé. La sonde d'échographie, c'est mieux qu'une main. Ça ne se contente pas de palper le ventre pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut même interroger des bases de données pour faire des diagnostics à votre place. L'audition, l'ouïe, fini, il y a des stéthoscopes électroniques que vous posez sur le cœur qui vous reproduisent les bruits, plus besoin de tendre l'oreille pour essayer d'écouter et d'entendre les horribles sons que je sortais tout à l'heure, qui vous disent
un, le bruit que ça fait, et deux, ce que c'est, le diagnostic. On vous donne le diagnostic tout de suite. Les yeux, mais il y a des yeux sur tous nos smartphones. Vous savez qu'aujourd'hui, dans mon service, quand j'ai besoin d'un avis en dermatologie, je ne demande plus à ce qu'un dermatologue se déplace. Je sors mon iPhone, je prends en photo la lésion cutanée, je l'expédie par SMS à mon collègue en dermato qui ne bouge pas, qui regarde et qui me donne le diagnostic immédiatement. Enfin, il y a des yeux au bout de nos téléphones, nous avons des yeux dans la poche. Et demain, enfin, ça se fait déjà, les dermatos n'auront même plus à regarder l'image, puisque l'image sera analysée par les big data avec une acuité tout à fait extraordinaire. Il y a eu des tests qui ont été faits, dermatologue versus ordinateur pour faire le diagnostic de lésions cutanées. Taux d'erreur chez la machine, 5%. Taux d'erreur chez le dermatologue, 15%. Les machines nous battent à plate couture. Et on s'achemine tout droit vers le docteur numérique. Demain, voilà ce que sera votre consultation chez votre généraliste, une cabine de téléconsultation. Alors aujourd'hui, ces cabines de téléconsultation, elles sont encore reliées à un médecin qui peut se trouver à 1 km ou à 1000 km. Peu importe, cela n'a aucune importance, mais demain, ces machines n'auront plus besoin d'être reliées à un médecin. Elles feront l'analyse elles-mêmes. Alors on dirait que ça ne remplacera jamais le médecin. C'est à voir, il va falloir faire des tris, mais c'est justement ce que vont faire ces machines. Faire le tri. Faire le tri entre l'important et le moins important. Ce que vous pouvez gérer tout seul ou ce qui devra vous amener nécessairement à l'hôpital. Vous voyez qu'on est embarqué là dans quelque chose qui n'est pas de la science-fiction du tout, qui est fait pour demain. Que dis-je demain ? Aujourd'hui, à Nancy, vient d'ouvrir un cabinet de consultation virtuelle où il n'y a plus que des cabines de téléconsultation. Ça commence et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Le big data, ça permet d'identifier des facteurs de risque de maladie. Dois-je vous rappeler cette horrible histoire de bébé sans bras, dont l'incidence est particulièrement importante en Bretagne et en Loire-Atlantique ? Nous n'aurions jamais pu les détecter s'il n'y avait pas eu l'accumulation de données dans les serveurs et notre capacité à analyser ces données. Voilà un bel exemple de la puissance et de l'intérêt des big data pour, dans le monde qui va s'ouvrir à nous. Évaluation de l'efficacité ou de la dangerosité des traitements. Mais souvenez-vous, l'affaire du Mediator. On n'aurait jamais su que ce médicament a fait 50 000 morts. On n'aurait jamais pu le savoir si on n'avait pas eu la capacité d'analyser dans les données de la Caisse primaire d'assurance maladie le devenir de ces malades qui avaient été traités pour le cœur ou pour maigrir par ce médicament. On le sait aujourd'hui, le produit a été retiré du marché, on épargne des vies. Et enfin, la personnalisation des traitements. Parce que nous ne réagissons pas tous de la même manière à chaque traitement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très, très, très classique. Vous avez une angine, on vous traite par tel antibiotique. Mais dans la population des gens qui ont une angine et qui vont être traités par des antibiotiques, vous en avez qui ne vont pas avoir d'effets secondaires et chez qui l'antibiotique va être extrêmement efficace. Vous en avez qui ne vont pas avoir d'effets secondaires, mais l'antibiotique n'est pas efficace du tout parce que le germe est résistant. Il y en a qui vont avoir des effets secondaires énormes et pas du tout d'efficacité. Alors ceux-là, ils n'ont vraiment pas de bol. Et puis, il y a ceux qui ont beaucoup d'effets secondaires et chez lesquels le traitement est efficace. Ben, l'analyse des données, et en particulier l'analyse des données de l'environnement de chaque individu par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, permettra de reconnaître immédiatement telle ou telle situation. Je vous ai donc fait le tour de ce qui, vraiment sans rêver, sera la médecine de demain. On ne peut pas imaginer que le métier que nous faisons, nous médecins, au service de la population de plus en plus exigeante, et elle a raison, ne puisse pas passer par l'exploitation des données massives, encore une fois pour une médecine particulière d'excellente qualité et une santé de tous
hors normes comme nous ne l'avons jamais encore atteinte. Je vous ai fait rêver un petit peu, j'espère, et Jean-Yves Gauvrit vous dira tout à l'heure, après l'entrée, le détail de cette belle médecine de demain. Je vous remercie. Alors moi, je vais faire effectivement, de façon plus pratique, l'intelligence artificielle, en essayant de montrer ce qui est bien et ce qui est moins bien. Alors voilà, on m'a demandé, dessine-moi un peu l'intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, il y a quatre grands plots sur cette intelligence artificielle. Tout d'abord, c'est clair que c'est une puissance de calcul. On ne fait pas d'intelligence artificielle, on ne va pas traiter des données sans une forte puissance de calcul. Et en même temps, ça me permet de rebondir pour dire, est-ce que c'est récent cette histoire, parce qu'on en parle depuis quelques années, mais quand on regarde dans l'histoire, voilà, ça commence quasiment en 1835, on retrouve une des premières machines à calculer. Et en fait, qui est montée par un couple. Alors, ils n'étaient pas ensemble, ils avaient des intérêts communs. Donc, Charles Babbage et Ada Lovelace. Donc, il y en a un qui est constructeur de la machine et l'autre qui est la première codeuse. C'est-à-dire qu'elle va fabriquer un algorithme sur du tissu en faisant des trous pour faire fonctionner cette machine à calculer. Et alors, c'est même intéressant parce que cette femme-là, et on retrouvera souvent des femmes dans l'histoire de l'intelligence artificielle, dit quand même, cette machine-là, elle coûte de l'argent pour la financer. Alors, elle ne s'est pas retournée vers Nominoé, mais elle a dit, on va essayer de faire un logiciel pour gagner aux courses. Bon, ça n'a pas marché, ni le logiciel, ni la machine. Alors, après, Karim en a parlé tout à l'heure des jeux. Là, vous la connaissez, cette machine, hein, Deep Blue. C'est la première machine qui bat Kasparov fin des années 90, aux échecs. Et effectivement, quand on regarde comment est-ce que cette machine-là a été conçue, en fait, ils ont rentré plein de jeux d'échecs de champions. Et vous voyez, les jeux d'échecs, c'est assez simple. Hein. Ah, il y a des lettres d'un côté, des chiffres de l'autre. Et donc, c'est assez facile de rentrer globalement les parties. Mais c'est quand même le premier warning où on se dit, attention quand même, il y a une machine qui est capable de battre un expert. Pas n'importe qui, l'expert. Et là, c'est tout récent. Je ne sais pas si vous avez vu les journaux, hein, mais voilà, lundi, on a inauguré en France voilà, le supercalculateur qui s'appelle Joliot-Curie. Et vous voyez, ça représente quasiment 15 000 ordinateurs de chez vous. En sachant qu'il y a une loi qui est assez connue, hein, dans laquelle on sait que l'informatique augmente sa capacité de calcul tous les 18 mois. Donc on sait que globalement, Karim l'a dit, on a une très très forte capacité effectivement maintenant aux ordinateurs à calculer. Donc, sans calcul, on n'a pas d'intelligence artificielle. C'est le point de départ. Alors, deuxième, c'est les bases de données, quoi. Effectivement, on a besoin de bases de données. Alors, c'est quoi une base de données? Ben, c'est vous, nous, voilà. On va rentrer tous ces petits points-là dans une base de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on considère que l'ensemble de la valeur se trouve dans les données. Une fois qu'on sait ça, on sait qu'on va trouver normalement la vérité dans cette base de données. Alors si je la requalifie un petit peu, cette base de données, voilà, je vais essayer de distinguer un groupe d'individus dans cette base de données. C'est ces petits points verts. Alors Karim l'a dit, qu'est-ce que je peux en faire de ces points? Eh ben, voilà, je peux effectivement dire, m'alerter en disant, attention là, dans ce coin-là, il se passe quelque chose. Ces patients-là, ils ont pris un médicament, ils ont eu un effet indésirable. Attention, il se passe quelque chose avec des enfants. Attention, voilà, on a une épidémie. Donc c'est intéressant parce que ça permet effectivement, presque en temps réel, d'où l'intérêt de calculer au quotidien avec des supercalculateurs, d'avoir une veille scientifique. Attention, il se passe quelque chose. Deuxième, eh ben, c'est le début, probablement, de comprendre une maladie. Se dire, tiens, ces patients-là, ils ont une maladie, puis ils ont des points communs. Et puis, effectivement, de gratter. Et ça rejoint, hein, historiquement, comment est-ce qu'on a fait des découvertes sur des maladies, sur de l'observation. Et bien là, c'est de l'observation de base de données. Et vous verrez, attention, tout à l'heure, on fait des corrélations et voir si derrière, il y a une causalité. Et puis, effectivement, ben, ces bases de données, elles vont entraîner des algorithmes, voilà, parce qu'on va faire tourner ces machines-là. Donc, c'est aussi un outil, effectivement, pour développer
de l'intelligence artificielle. Et puis, vous le verrez tout à l'heure, c'est aussi un outil de gestion, effectivement, du pilotage de santé, la gestion des flux des patients, par exemple. On pense que, effectivement, vous devez le connaître, on fait parfois des achats compulsifs qui n'ont rien de compulsif, qui sont totalement, en fait, on sait bien, prémédités. Et bien, on sait que dans les hôpitaux ou dans certains cas, ces flux de patients, on peut tout à fait les modéliser. Alors, ça sert à quoi aussi ? Eh bien, c'est aussi intéressant parce que Karim en a parlé, on peut aussi faire de la médecine personnalisée. Je vous montre un exemple. Voilà, on peut dire que c'est moi ou c'est vous. Voilà. Et à un moment, vous avez une maladie. Et on se dit, cette maladie, avec les critères que vous avez, avec vos antécédents, ainsi de suite, eh bien, de qui vous allez vous rapprocher dans cette base de données ? Et cet individu-là, lui, il a guéri de cette maladie-là. Vous voyez, hop ! On se dit, voilà, vous allez appartenir à ce que j'appelle un jumeau. On a trouvé votre jumeau dans cette base de données. Et ce jumeau-là, effectivement, il a guéri de la maladie, donc on va pouvoir appliquer, effectivement, à vous le même traitement. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a des effets très personnels, il y a des effets indésirables, et on sait que là, on va avoir le maximum d'efficacité et le minimum d'effets indésirables. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'on voit que, collectivement, en fait, on se tient tous la main. Voilà, à un moment donné, on va être tous en capacité d'aider les uns les autres. Alors là, je vais un peu insister quand même à chaque fois sur les vigilances, ce que j'appelle les vigilances. Il y en a un, c'est évident, c'est l'accès, quoi. Comment est-ce qu'on a accès à ces données ? Qui a accès ? Qui donne ? Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais est-ce que c'est gratuit ? C'est pas gratuit. Il y a une vraie problématique autour de l'accès de ces données. La qualité des données. Vous verrez, enfin... On ne fait pas une bonne recette sans bon ingrédient. Voilà. Donc si vous rentrez des données qui ne sont pas bonnes, ça va être compliqué de pouvoir les exploiter. D'où l'intérêt, je ne le détaillerai pas, mais nous, de plus en plus, de faire ce qu'on appelle de qualifier les données. C'est-à-dire, dans une vision de se dire, tout ce que je fais actuellement va servir plus tard à alimenter des bases de données et donc vraiment à les qualifier. Et l'inefficience, oui, ça serait d'utiliser un outil, un machin, dans lequel, effectivement, on ne sorte rien. Donc, vous voyez, il y a des milliers de données, mais il faut que derrière, ça soit hyper efficient. Et alors, Yannick Malédan en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi la vigilance, c'est comprendre ce qu'on dit. Des choses qui nous paraissent évidentes, que la machine va avoir un mal fou à comprendre. Donc, effectivement, on a un langage qui est très particulier, en plus en médecine. Alors, une autre vigilance, on est tous d'accord, ces données-là, elles sont anonymes. On ne sait pas qui est là-dedans, qui a telle maladie. C'est logique. Parce que, en fait, si on reprend cette belle citation d'Albert Camus, voilà, la maladie est un couvent qui a sa règle, son ascèse, ses silences et ses inspirations. Et c'est vrai qu'on a tous envie que les uns les autres, on ne soit pas au courant des maladies qu'on a. Clairement. Ceci dit, ça peut avoir un inconvénient. Pourquoi ? Parce que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est lui ou ça pourrait être moi. Voilà. Lui, en fait, il rentre dans la base de données et où il est, lui, il a guéri. On a trouvé le bon traitement. Puis on pourrait se dire, lui, comme tout à l'heure, c'est qui son jumeau ? On va retrouver plusieurs jumeaux qui, eux, ne savent pas encore qu'ils pourraient être malades ou s'ils sont malades, quel traitement pourrait avoir et pourrait être guéri. Et on se dit, comment ils s'appellent ? On va essayer de les retrouver les uns les autres. Alors, Bernard, comment il s'appelle ? Moi, je ne sais pas, on m'a dit qu'il fallait tout anonymiser. Donc, je ne sais pas qui c'est. Et donc, vous voyez, tout le problème de derrière ces données anonymes, c'est qu'on est obligé de mettre quand même des règles, des processus de dé-anonymisation ou dé-identification. C'est-à-dire qu'il faut, dans certains cas, les rendre anonymes, mais le retour est important. Donc, après, de savoir, quand on parlait d'accès, c'est... Qui a cette capacité, à un moment donné, entre guillemets, à lever l'anonymat ? Je vous conseille ce beau livre. Et on voit bien qu'effectivement, avec ces bases de données, ça nous renvoie à cette difficulté, à cette intimité qui est quand même un peu menacée. On a besoin des bases de données. Et en même temps, on aimerait bien être un peu anonyme dans tout ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, qui dit corrélation, vous voyez, à un moment, on fait des corrélations entre des individus, ne veut pas dire causalité. Alors, je vous montre un exemple très simple. C'est un truc. Il y a un chercheur qui a déduit de la consommation d'essence en Australie entre
1939 et 1981 une équation, c'est le début d'un algorithme, qui lui permet de prédire le taux de cancer. Et donc, il en déduit, voilà, que l'essence est responsable du cancer du poumon. Véridique, hein, c'est un article qui est sorti. Il y en a d'autres qui sont sortis sur le port du chapeau et le cancer du poumon. Voilà. Donc, vous voyez la nuance. Effectivement, on peut faire des corrélations et ce n'est pas forcément une causalité. Alors, je l'ai remis parce qu'effectivement, on est tous contents. On a gagné la Coupe de France. Et pourquoi je mis ça? Parce que je l'ai entendu, cette phrase-là, nos deux présidents, qu'on dit « l'irrationnel l'a emporté ». Effectivement, ce n'était pas prévu que le Stade Rennais l'emporte contre le PSG. Mais là, je ferai le pendant inverse. Vraiment, dans ces utilisations de bases de données, je pense que vraiment, le rationnel doit reprendre sa place. Dans toute la médecine, d'ailleurs. Mais il faudra bien comprendre, effectivement, que, voilà, il faut, pour l'instant, l'intelligence artificielle est un énorme mythe. Voilà. Il faut remettre du rationnel, du sens à tout ça. Et donc de l'humain, hein. Alors, les algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme qui va faire fonctionner cette base de données? Alors, je vous ai mis la définition, puis on va détailler un peu après. Donc, c'est une suite finie et non ambiguë d'étapes ou d'instructions permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Je vous fais un truc plus simple. C'est quoi un algorithme? Globalement, c'est une recette. Celle-là est très bonne, hein, une fin aux framboises. Ben oui, c'est quoi une recette? Vous avez des ingrédients, c'est la base de données. Et puis, effectivement, après, ben, vous allez pouvoir faire votre recette et votre gâteau. Je vous le résume. C'est ça, un algorithme. Alors, ça sert à quoi? Ben, Karim Boulegema l'a déjà un peu dit. Ben, ça va aider, effectivement, à la décision. Voilà, effectivement, parce qu'on a, on va être aidé en tant que médecin. Oui, à chaque fois, je parle d'aide. Hein. Pour moi, pas tout de suite. On ne va pas tout de suite être remplacé. Mais on sécurise et on aide à la décision. C'est repérer des prédispositions. Voilà, chez certains individus, ça peut être intéressant de se dire, tiens, lui, il va être malade. Après, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on informe le patient. Et puis, c'est gérer de la connaissance. Vous avez tous vu le docteur House, le mec, il connaît tout, il voit le symptôme. On voit d'ailleurs dans le film, d'un coup, ça fonctionne, ça rentre à l'intérieur de l'organisme. Voilà, bah, c'est un peu comment est-ce qu'on peut avoir un docteur House dans la poche. Alors, je vous mets un exemple. Voilà, une maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Ça peut être tout ça. C'est plein de symptômes, ça arrive à n'importe quel âge, voilà, et c'est un peu compliqué. Et donc, pour faire un des diagnostics, enfin, pour amener un élément de diagnostic dans cette maladie, qui est une maladie grave, hein, qui peut finir effectivement dans un fauteuil roulant, on fait de l'imagerie. Et on va chercher des taches sur de l'IRM. Ce qu'on appelle un biomarqueur. Et on peut avoir des taches, en fait, sans aucun symptôme. Mais ça dit quand même que cette maladie est évolutive. Et par exemple, si on a des patients qui sont traités, dire probablement ce traitement-là n'est pas efficace. Donc vous avez tous vu la nouvelle tâche entre janvier 2018 et janvier 2019. Moi, je l'ai vu, mais c'est mon métier. Mais vous avez des algorithmes maintenant qui détectent les tâches. Il y en a qui l'avaient vu, j'ai l'impression. Tout à l'heure, vous verrez, il y a des choses plus faciles. En tout cas, on voit la nouvelle tâche. Elle est là. Ce qui est intéressant, hein. Et alors, si je vais plus loin, voilà, cet algorithme vous permet de dire, voilà les nouvelles tâches, voilà celles qui ont certaines caractéristiques, celles qui ont régressé, voilà. Et ça de façon automatique, parce que l'algorithme a appris à repérer parmi tout ça ce qui était blanc, et puis il compare l'examen avant-après. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fournit à la fin un rapport. Voilà, en vous disant, ben, ce patient-là, il y a une augmentation, ce qu'on appelle la charge lésionnelle, le nombre de lésions, qui a augmenté de 10%, au contraire, qui a réduit. Et ça permet d'adapter le traitement. Donc, c'est hyper intéressant. Après, derrière, forcément, nous, on est derrière, on valide ou pas, mais il y a un temps important dans lequel, vous imaginez, on regarde chaque image, chaque coupe, pour savoir s'il y a une lésion en plus, si elle a diminué. Là, cet algorithme nous permet déjà d'avoir une facilité dans notre travail. Alors, la vigilance, ça, c'est une histoire vraie et on comprend bien. Voilà, c'était un algorithme qui a été fait pour détecter les visages humains. C'est assez simple. Hein, le visage humain, au début, c'est un rond. Vous mettez deux, trois trucs, des yeux, un nez, une bouche, et on arrive assez vite à déterminer un visage. Ben voilà, vous imaginez bien que cet algorithme-là, ben, en fait, il a appris que sur des visages d'hommes blancs.
Et donc, à un moment donné, quand ils l'ont fait tourner dans la vraie vie, ben, ils n'ont pas détecté les visages de femmes et puis, effectivement, les visages d'hommes de couleur. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on met dans la recette, hein ? Ben, effectivement, ce qu'on met dans la recette, il y a toujours une vigilance par rapport à ce qu'on met dedans. Alors ça, c'est un petit bonhomme qui est dans mon bureau, voilà, qui est l'ancêtre du radiologue, vous voyez, qui est un peu déjà, qui avait même un stéthoscope, une blouse, et puis qui regarde une radio qui n'existe plus dans nos services parce que tout est numérique. Et qu'est-ce qu'il regarde, ce petit bonhomme, comme radio ? Une radio de thorax. Est-ce que vous avez vu ce qui ne va pas dans cette radio de thorax ? J'ai l'impression que d'un coup, là, je vais presque récupérer, recruter 500 radiologues, parce que j'ai l'impression que vous avez vu pas mal l'anomalie. Ce qui m'arrange, hein, parce qu'on est quand même un peu moins... C'est toujours intéressant de recruter des gens de qualité. Effectivement, il y a une paire de ciseaux. Voilà. Donc, vous l'avez tous vu. Ma fille, qui m'a offert qui a 16 ans, qui m'a offert ce petit bonhomme, elle l'avait vu même avant moi. Elle m'a dit, t'as vu, tu verras, il y a des ciseaux dans la radio. Eh bien, je peux vous dire qu'un algorithme, et il y en a un, qui vont faire des algorithmes autour de la radio de thorax pour détecter des cancers, est incapable de voir la paire de ciseaux. Ce qui est logique, hein, parce qu'on ne va pas lui dire, bah, méfiez-vous, parfois, il y a des paires de ciseaux dans le thorax, et puis est-ce qu'il est ouvert, fermé, tout ça. Et alors, ça s'appelle le paradoxe de mort avec. C'est pareil, hein, vous voyez, la voiture autonome, tout le monde est content, et puis à un moment donné, elle va partir tout droit, on ne va pas comprendre, parce qu'à un moment, elle suit un truc que n'importe qui aurait vu en disant, bah, y a une voie sans issue, il faut s'arrêter. Bah, l'algorithme, il ne comprend rien, il continue. Voilà. Donc ça veut dire que derrière ce qu'on demande à l'algorithme, c'est toujours une question extrêmement fermée. Une question. On va pas lui... Alors après, on pourrait demander, détecte-moi les paires de ciseaux. Bon, ça a quand même une utilité assez mineure, parce que vous voyez, vous n'êtes pas radiologue et vous l'avez vu. Après, je vous montre un truc intéressant. Voilà. C'est un programme qui a été développé dans un énorme institut de cancérologie aux États-Unis, parce qu'ils ont mis le paquet, ils se sont dit que le cancer, c'est important, il y a des facteurs prédictifs, on va essayer de voir bah, comment est-ce qu'évoluent ces maladies, et puis les traitements. Donc ça s'appelle Moonshot. Ça portait bien son nom. Donc traitement et diagnostic des cancers. Ils ont investi des millions de dollars. Voilà. Zéro patient qui sont sortis. Donc après, les Américains, ils sont honnêtes, ils arrêtent. Et en fait, ça rejoint, voilà, j'ai repris cette une de magazine. Voilà, en tout cas, pour l'instant, à l'intelligence artificielle, il ne faut pas lui demander la lune. Il faut avoir une question très précise. Elle y répondra, et pas plus. Alors vous imaginez, en médecine, quand même, par patient, on n'a quand même pas qu'une question, on a plusieurs questions. Donc déjà, ça pose un peu, à mon avis, d'emblée, la place de l'intelligence artificielle sur certaines questions, pas sur toutes les questions, pour l'instant. Alors, les nouveaux métiers, parce que, vous voyez, c'est le troisième, on a vu effectivement le calcul, les bases de données, l'algorithme, notre recette, et puis, bah, forcément, alors, ça va modifier nos métiers, j'ai mis nouveaux métiers, j'aurais tourné moins bien, c'est plutôt une transformation de nos métiers et de nos organisations. Alors, pour l'illustrer et pour comprendre pourquoi est-ce que nous, on l'attend un petit peu, cette transformation de nos métiers, j'ai pris un exemple d'un film muet. Alors, il y a un radiologue, il y a un chirurgien, par ordre d'apparition, et puis un réanimateur. Donc, le radiologue est au premier plan, hein, vous voyez. Voilà, le chirurgien est derrière, et regardez bien le réanimateur, toujours stoïque, pas de problème. On voit que quand même, alors, le radiologue a un peu de mal. Ah, le patron débarque. Ça pourrait être une patronne, je vous rassure. Enfin, bon, quand même, le radiologue, il en met un petit coup, quand même, il y va. Il se fait, ah, on voit. Alors, ah, il est un peu malade, alors il reprend. Le chirurgien s'inquiète un peu, quand même. Il se dit, quand même, il ne faut pas que le radiologue craque. Ah, là, j'ai trouvé une technique. Alors, ça pourrait être à l'hôpital, mais ailleurs. Alors, ah, là, le chirurgien, quand même, récupère. Alors, là, c'est écrasé. Souvent, le radiologue dit, ça saigne. Hein, mais bon, le chirurgien. Alors là, le chirurgien appelle à l'aide, et hop, et alors, c'est 1936, hein, cette image-là. C'est une superbe image du burn-out, quand même. Je vous démontre, quand même. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, il y a une transformation de nos métiers, quand même, et moi, c'est un terme que je ne connaissais pas, mais que mes plus jeunes collègues m'ont donné, voilà, ce qu'on appelle l'usinage médical. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des tâches de plus en plus répétitives, multiples,
voilà, dans lequel on s'aperçoit que ces tâches-là ont globalement assez peu de valeur ajoutée pour un humain. Et qu'on se dit, bah, probablement, peut-être que ces tâches-là pourraient être au moins réalisées par une machine ou par un ordinateur. Et est née, en fait, cette théorie du centaure. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un centaure, c'est une tête humaine et un corps d'animal. Et donc, c'est globalement l'intelligence artificielle au service du médecin et des décisions du médecin. Pourquoi ? Alors, ça, c'est une vue très, très belle, hein, je trouve. Voilà, c'est le médecin garde effectivement son intuition, son empathie et sa logique. Voilà. Et derrière la machine, effectivement, il y a une force de calcul et une force de faire des choses répétitives. Et on voit qu'effectivement, ce couple-là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Parce que ça permet globalement aussi au médecin, maintenant, de se concentrer là où il est le plus efficace. Et ça rejoint un petit peu, vous voyez, ce qu'on a sur ces chaînes de montage, dans lesquelles on a la même philosophie entre la robotique et l'intelligence artificielle. C'est la même chose. Un robot, c'est de l'intelligence avec des bras articulés. Mais on voit que, quand même, sur ces chaînes de montage, bah, l'homme est extrêmement présent. Il peut être présent au début, au milieu, à la fin. De toute façon, vous regarderez, il y a toujours de l'humain sur des chaînes industrielles. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le monde qui nous dit, attention, voilà, l'intelligence artificielle va bouleverser les professions de santé, clairement. Je vous rassure, hein, ça va modifier pas que les professions de santé. Là, pour préparer ce topo, j'ai lu les échos. Et bien, forcément, ça va tomber à l'assaut des entreprises. On voit bien que de cette façon, ça va toucher tous les secteurs de la médecine et tous les secteurs économiques. C'est évident. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui s'appelle Luc Julien, voilà, qui est un Français. C'est rare, hein, parce que quand même, on a plutôt tendance à penser que l'intelligence artificielle, c'est les Américains, c'est Google. C'est un Français. Alors, extrêmement intelligent, parce qu'à l'âge de 9 ans, il invente un robot pour faire le lit, son lit, parce que sa mère l'engueulait en disant « Fais ton lit ». Donc, il se dit « je vais faire un robot, ça me rappelle mon fils. » Enfin, pas pour le robot, mais pour le lit. Alors, il part quand même aux États-Unis parce qu'on a quand même parfois en France ces incapacités parfois à retenir nos cerveaux. Et là, il crée Nuance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nuance, mais enfin, c'est l'algorithme de reconnaissance vocale. Voilà, c'est un premier pas de l'intelligence artificielle incroyable. Vous dictez dans un micro et derrière, vous avez un texte qui s'affiche. Et puis, il a aussi créé Siri, que vous avez utilisé sur vos ordinateurs, sur vos Apple. Donc, il a été... Et il revient en France parce qu'il se dit en France, voilà, globalement, j'ai un intérêt à venir en France. Et là, il a monté toute une stratégie autour de l'intelligence artificielle en France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il parle d'intelligence augmentée. Et je trouve que ce terme-là est plus juste que l'intelligence artificielle. Voilà, on voit bien que, voilà, on augmente nos capacités d'intelligence. Je vous présente l'ancien CHU et notre CHU, mais c'est pour vous montrer que, voilà, cette intelligence artificielle, elle va aussi intéresser les organisations hospitalières et médicales. Je finirai, ben, il y a deux choses intéressantes, quelque chose qui est né, qui s'appelle le management de population de masse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont assez prévisibles, globalement, dans, pas quand on va être malade, mais à un moment, quand on est malade, comment est-ce qu'on se comporte ? Et en particulier, les flux. Alors, ça peut être des flux de consultation, voilà, en fonction... tout à l'heure, on a pris le train, on a pris la rocade qui était bouchée. Voilà, on sait que comme ça, on pourra avoir des régulations, effectivement, de flux de patients qui arrivent en consultation. Ils sont en retard ou ils se garent. Et une chose assez incroyable, c'est l'arrivée aux urgences, qui peut être d'un calme exemplaire et qui, d'un coup, bah, comme à gauche, vous voyez, peuvent se transformer en départ de vacances. Et là, vous me direz, bon, bah, les départs de vacances, c'est pas très grave. Quand on part en vacances, à la limite, on a son temps. Bah, si je prends la comparaison avec les urgences, oui, mais c'est possible que ce jour-là, il y ait des gens qui travaillent ou qu'il y ait un SAMU qui veuille passer au niveau du péage. Et donc, on voit qu'on a quand même tout intérêt à un moment à essayer de prévoir ces flux d'arrivée de patients. Et je vous promets que c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Et effectivement, d'organiser, de modifier, de maîtriser nos organisations, comme un péage. Vous allez ouvrir un peu plus ou fermer un peu plus. J'ai presque fini. Voilà, on sait que plus tard, globalement, quand vous allez rentrer dans une chambre, comme ce qu'a montré Karim, mais encore plus, il y aura des capteurs partout qui vont détecter plein de phénomènes physiopathologiques que vous avez,
Pareil, quand vous allez vous allonger dans un lit, voilà, là, actuellement, dans un lit, on connaît votre poids, mais vous aurez plein d'autres éléments. Et puis, on l'a déjà démontré, effectivement, au CHU. Voilà, là, c'est des tout petits. Hein. Voilà, j'ai vu Patrick Pladis, je l'ai vu là-bas. Voilà, ben, voilà, on est capable, effectivement, avec des capteurs sur des tout petits, de prédire certaines maladies, voilà, et certains traitements. Voilà, j'espère que, on m'avait dit d'être court et concis, j'espère au moins de vous dessiner l'intelligence artificielle avec, effectivement, ces quatre grands champs, le calcul, les données, les recettes, l'algorithme, et nos organisations et nos métiers. Et alors, je vous conseille, alors je pense que normalement, on pourra gagner tout à l'heure ce petit bouquin-là, si vous voulez un peu parfaire vos connaissances. C'est un petit bouquin qui est fait de dessins, qui est super bien fait si vous voulez comprendre tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Je vous remercie et bon appétit. Merci déjà au nom de Nomino et d'être tous présents ce soir. Et je vais d'emblée vous rassurer, vous avez eu des exposés de niveau scientifique exceptionnel. On va être maintenant dans le un peu plus léger. Et je vais quand même faire un préalable, c'est que, effectivement, les exposés remarquables de Karim et de Jean-Yves vous ont tous convaincus de la puissance de cette intelligence artificielle au service de la santé. Et contrairement à tout ce que je vais faire derrière, je suis quand même un grand croyant et un grand pratiquant de cette intelligence artificielle. Le nier en 2019 et avec tout ce qui va venir derrière serait un non-sens. Il n'empêche que trois exposés pour, c'est peut-être un tout petit peu beaucoup, et que la contradiction fait partie de l'esprit gaulois, français et surtout breton, mon cher Jean-Paul, puisqu'on vient d'en parler encore, cette singularité. Et donc, avec Jean-Yves et Karim, il nous a semblé utile de faire quelque chose. Vous savez, on a un peu l'habitude dans les confrontations médicales, et peut-être dans vos métiers à vous aussi, de faire ce qu'on appelle des pour et contre, des pros and cons, quand on va débattre de ça à l'étranger, où quelqu'un va défendre vigoureusement une théorie, une pratique, une thérapeutique, et puis quelqu'un d'autre va défendre l'inverse. C'est un très bel exercice de style, et il permet d'ailleurs, parce qu'on choisit en général le plus fervent partisan de faire le contre, et l'inverse, pour que chacun apprenne à poser ses propres limites. Alors, je vous remercie d'être là, parce que c'est un moment difficile pour moi. 30 ans de métier de réanimation viennent de s'effondrer en 2 heures. Moi qui avais toujours été un fervent défenseur de la clinique, mon cher Karim, mon cher Jean-Yves, on disait toujours, fais gaffe, tu vas chez mal les dents, il faut apprendre à regarder de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Et là, voilà, la machine va venir me suppléanter. Je suis extrêmement triste et je vous remercie de partager ce moment délicat avec moi. D'ailleurs, vous l'êtes peut-être aussi, c'est que, rassurez-vous, vous rappelez, c'est pas si longtemps que ça quand même, quand vous vous asseyez devant le bon docteur qui vous écoutait patiemment, vous lui racontez son histoire, il prenait des notes, il consultait, il vous examinait, petit examen complémentaire si utile, pas trop souvent, surtout pas, et parfois une thérapeutique. C'était le bon temps, mais c'est le temps du passé, ça. Vous avez vu la cabine que vous a préparée, Karim ? C'est fini, ça. Et quand ce bon docteur avait parfois, comme tout un chacun, ses limites, ben, il appelait la faculté, il téléphonait à l'hôpital, « Dites-moi les gars, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider ?»« Voilà, j'ai un sujet un peu difficile, vous êtes spécialiste, on se réunissait, nous, en consultation pluridisciplinaire, je vois quelques collègues qui le font encore régulièrement. » Et là, à partir de la littérature internationale très pointue, on posait un diagnostic et une thérapeutique. C'était le temps d'avant, c'est fini. C'est fini et aujourd'hui, De Profundis, pour les plus cultivés d'entre nous, nous allons accompagner votre bon docteur auprès de sa tombe professionnelle, quand même, un peu de limite à votre indécence, pour qu'on puisse ensemble enterrer définitivement cette pratique d'un autre temps, d'un autre siècle, tel que ça a été brillamment démontré. Donc voilà, vous avez compris que dans le pro and con, vous avez vu les deux pros, et vous allez voir le con maintenant qui va vous démontrer l'effet relativement inverse. Ça va être ça maintenant. Alors moi, je n'ai pas appris la belle cabine de Karim, mais ça va être ça, quoi. Vous allez vous asseoir, et là, vous allez vous confier à votre nouveau soignant, en lui expliquant avec vos mots à vous, vos mots de tous les jours, ce que vous ressentez. Voilà, docteur, j'ai pris froid. Alors, j'ai un chat dans la gorge, ça m'a rendu un peu blanc comme un linge. J'ai surtout peur d'attraper une jaunisse. Mais, rassurez-vous,
Je vais passer ça, mais écoutez quand même cette fièvre de cheval, et surtout, docteur, si, cher ordinateur, pardon, si je pouvais ne pas passer l'arme à gauche. Et donc l'ordinateur, il va broyer ces mots-là. Il est habitué à faire de la donnée, de la tomodensitométrie, de l'IRM, de la biologie, etc. Et ça, ça le dépasse un tout petit peu. Donc il réfléchit, il analyse. Et puis, brutalement, le diagnostic tombe en disant « Ben, excusez-moi, je ne suis pas en capacité ». Qu'est-ce qu'il nous reste dans ce désert brutal scientifique? Eh bien, vous allez reprendre votre petite habitude d'avant. Par une nuit sans lune, vous allez retourner, vous savez, au bon docteur qui reste au fond de la petite impasse. Vous allez y aller la nuit, hein, pour que vos voisins ne vous voient pas. Et vous allez frapper en disant « Excusez-moi, docteur, je vous ai fait une infidélité ». Vous vous rappelez, ceux qui ont une culture cinématographique, le retour de la pomponnette dans La femme du boulanger? Ben, c'est ça, vous allez faire exactement la même chose. Et là, le docteur, eh ben, il dit « Écoutez, c'est pas grave, asseyez-vous, on recommence ». Et ce que je souhaite partager avec vous, c'est ces quelques expressions. Vous voyez, on va être dans le beaucoup plus léger pour essayer de voir ce qui se cache derrière ces expressions de tout un chacun. Celles que vous avez employées, que j'ai employées et que vous emploierez peut-être encore un peu. Alors, on ne va pas aller voir n'importe quel docteur. On va aller voir le docteur entouré de ses références pour que vraiment on progresse ensemble. Moi, j'avoue que je me délecte encore à chaque fois des épisodes Dr. House qui, parce que c'est extrêmement scientifiquement puissant. Donc, on y va. J'ai attrapé un chat dans la gorge. Là, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 années de médecine pour comprendre que la voix enrouée, la voix éraillée rappelle furieusement celle de notre petit quadripède qui se frotte, vous savez, sur la jambe pour réclamer sa pitance. C'est exactement la même chose. Là, l'expression est simple. Sauf que c'est une forte erreur méthodologique et étymologique. Le mot exact au XVIe siècle était non pas matou, mais maton, qui voulait dire particule. Donc on vit sur une erreur de l'histoire, mais elle nous arrange. Avançons. Alors, un des intérêts premiers du métier de réanimateur, c'est de voir de temps en temps, comme les chirurgiens, les radiologues, des choses que les autres ne voient pas. Et le chat dans la gorge, voilà ce qui est arrivé un jour au déchocage. C'est la petite demoiselle. Elle avait offert une magnifique broche pour son anniversaire. Et ce petit chat, elle l'a avalé. Et il est coincé, là, directement au fond de la gorge. Rassurez-vous, ça va bien se terminer. On va l'endormir, on va assurer tout ça, on va lui extraire. Elle a grandi, c'est devenu une vraie femme. Elle ne coupe plus la petite broche et réclame le collier de perles. Je ne vais pas en faire une jaunisse. Vous l'avez tous dit, ça. Vous l'avez tous entendu. Je ne vais pas en faire une jaunisse. Alors moi, je ne vais pas refaire non plus l'histoire de l'année dernière, du caillou migrateur. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi cette expression a un vrai sens, du bon sens, et pourquoi cette hantise colorimétrique. Alors déjà les Grecs, alors quand on dit ça en cuisine derrière, ils commencent aussi à être jaunes. Déjà les Grecs, en fait, tout vient de là. Hippocrate, 4000 ans avant Jésus-Christ, avait dit « la bile, ça fait partie des humeurs strictement essentielles de la vie ». Et il était tellement confiant dans cette humeur qu'il estimait qu'il y avait deux biles. La bonne petite bile jaune, bien claire, d'or, qui était la bonne bile, et la méchante bile noire, qui était celle des mauvaises humeurs. Et colé, ça vient de là, et Karim, cholécystite, cholédoc, choléra, ça vient vraiment de cette étymologie-là. Ils y avaient simplement oublié, parce qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, une très curieuse maladie, qui est en fait une petite anomalie enzymatique qui n'est même pas nécessairement connue de tous les jeunes étudiants en médecine, qui s'appelle la maladie de Gilbert, qui s'appelle ainsi parce que M. Gilbert était un médecin interniste de l'Hôtel-Dieu au début du XXe siècle. Et il avait observé que les gens pouvaient avoir une valeur augmentée de bilirubine, c'est-à-dire qu'ils étaient supraphysiologiques, mais pas suffisamment augmentée pour conférer à la coloration jaune colorimétrique. Donc voilà, c'est 5 à 10% de la population. Marie, vous avez dit 2300 personnes ce soir, donc il y a à peu près 200 personnes qui ont... Non, vous êtes 30 ou 40 à voir ça, mais rassurez-vous, c'est d'une bénignité sans faille. Or, pourquoi cette expression vient se greffer là? Tout simplement parce qu'on peut mettre en évidence cette maladie de Gilbert dans quelques situations très particulières. La plus simple, c'est le jeûne. Or, quand vous êtes malade, quand vous ne vous alimentez pas pendant 3-4 jours, ce qui peut arriver quand vous avez une virose un peu poussée, brutalement, votre valeur de bilirubine va augmenter et elle va arriver au seuil de l'ictère. Donc, brutalement, vous devenez jaune. Rassurez-vous, votre pâté est naf et tout ça arrive quelque temps après. Et brutalement, les calories remontant, vous perdez cette coloration. C'est parfaitement bénin. Ne cherchez pas le diagnostic. Parce qu'en plus, comme je dis souvent, Gilbert est heureux.
Gilbert, il va mieux que les autres, tout simplement parce que la bilirubine étant un remarquable antioxydant, vous faites moins de maladies cardiovasculaires et sans doute moins de cancers du côlon et du sein. Donc, soyez heureux de cette maladie. Il n'empêche, docteur, j'ai une fièvre de cheval. Alors, à chaque fois, je fais du cheval pour faire un hommage à Marie et à ses filles. Mais ce n'est pas que ça. C'est une expression très populaire qui tient au fait, tout simplement, que la température du cheval est de manière physiologique plus élevée d'un degré et demi que la température de l'homme. Je vous fais remarquer au passage que la température normale de l'homme, ça va jusqu'à 38,2 le soir. Les variations des hormones font qu'on monte légitimement à cette température. Donc, on ne s'inquiète pas pour quelque chose qui est extrêmement physiologique. Alors, mesdames, je vais vous épargner parce que j'ai toujours eu un sens de la galanterie extrêmement avancé. Et je vais interroger les hommes sur leur connaissance sur la fièvre et passer en même temps, j'en vois qu'ils se marrent parce qu'ils assistent aux répétitions, et passer en même temps un vrai message qui me tient énormément à cœur, celui de la température que l'on doit respecter. Donc, messieurs, vous allez répondre à ce petit quiz. Votre belle maman a une forte grippe. Elle tremble, 39,5, elle a des frissons. Que faites-vous? Vous allez fêter ça avec des copains. Qui lève la main? Deux courageux. Vous analysez les clauses testamentaires. Qui lève la main? Les mêmes. Et deux de plus. Vous lui administrez un gramme de paracétamol parce que c'est pas humain de laisser quelqu'un avec 39,5 et de frissons et que vous allez la ramener dans les vertes eaux du 37-38. Qui lève la main? Ah, bon. Vous avez tout faux. 4, vous la laissez dans cet état parce que c'est pour son bien. Qui lève la main? Voilà, il y a des vrais soignants. Ou des vrais amoureux de leur belle-mère. Vous êtes que 4. En fait, c'est ça quand même, c'est simple. Est-ce que lorsqu'on fait de la température, vous pensez que c'est un élément antinaturel? Est-ce que lorsqu'on a une infection, est-ce que l'organisme va réagir de manière qui n'est pas adaptée? Est-ce que la fièvre est un ennemi ou est-ce que c'est une réponse à l'ennemi? La réponse est dans la question. C'est parfaitement naturel. Faire de la fièvre quand on a une infection, il ne faut surtout pas le combattre parce que c'est une adaptation à un moyen de défense et je vais vous le démontrer très brièvement. Première notion, article 1, la température de croisière de tout ce qui nous infecte, microbes, parasites, bactéries, virus, c'est des températures de réplication faibles, 32 à 37. Alors j'en ai mis quelques-uns, j'aurais pu en mettre des dizaines. J'ai pris volontairement des exemples aussi simples que la grippe et des choses aussi épouvantables que la gangrène. Quand brutalement l'organisme décide de faire 40, eh bien, immédiatement, il bloque la réplication. Si avec votre argument pharmacologique, vous ramenez la personne à 37, les bactéries se multiplient de manière exponentielle. Donc c'est une réponse parfaitement adaptée. Et quand je mets les extrémités, c'est pour vous expliquer que les fameux nez, gorge, oreilles de l'hiver, c'est parce que c'est dans des cavités naturelles qui sont au contact de l'extérieur et qui facilitent ainsi la réplication bactérienne. Donc, respectons la vie. Article 2, quand brutalement vous avez cette température qui monte, le cerveau, dont on a vu tout à l'heure des belles séquences, va dans une zone très spécifique qui s'appelle l'hypothalamus réagir avec tous les mécanismes de défense adaptés. Et tout d'abord, les fameux leucocytes, vous savez, c'est ces globules blancs dans votre sang, pour faire très simpliste, vous avez trois types de globules, les rouges pour votre oxygène, les plaquettes pour faire la coagulation et les globules blancs pour vous défendre. Ben, ces globules blancs-là, ils sont activés par la température. Donc vous voulez vous en priver? Et en plus, vous avez chaud, vous dilatez, et cette dilatation va leur permettre d'aller aux endroits les plus profonds de l'organisme. Vous transformez le chemin vicinal en autoroute par votre dilatation. Donc respectez ça. Ensuite, vous allez avoir des autres mécanismes de défense que sont des cytokines, des protéines de l'inflammation, des anticorps. Et vous voudriez lutter contre ça. C'est un non-sens, excusez-moi de vous le dire, c'est un non-sens. Il faut donc parfaitement respecter ça. Et je vais vous en montrer à travers une expérience extraordinaire. On est dans le big data, on est dans le 21e, 22e siècle. Je vous ramène au début du 20e siècle. Syphilis, maladie endémique redoutable. Pas de traitement. Il faut attendre Fleming en 1940 pour que la pénicilline sorte et traite la maladie. Les gens meurent. Il y a une forme terminale, la neurosyphilis. Ça envahit tout le système nerveux central et les gens meurent dans d'atroces conditions.
La survie, j'ai mis 1%, Jean-Paul. C'est parce que tu vas voir, pour faire un calcul qui est autrement qu'à ta hauteur, j'ai besoin d'un petit quelque chose là. Mais en fait, c'est 100% de mortalité. 100%. Et il y a un neuropsychiatre, vous entendez bien, un neuropsychiatre, qui, en observant dans son unité, va voir que ces patients qui sont là pour mourir, quand ils ramassent une infection d'un autre type, la grippe, n'importe quoi, brutalement, ils s'améliorent. Et parfois, certains guérissent. Alors, il va aller au bout de son raisonnement, il va leur filer le palu. Non, non, mais je m'excuse, c'est parfaitement authentique. Et vous allez voir pourquoi c'est authentique. Il va leur filer le palu pour qu'ils claquent des dents, ils montent à 41, ils aient des frissons, et la mortalité va diminuer, puisque 30% vont guérir. 30% vont guérir. Et pourquoi ils foulent le palu? Ben, tout simplement parce qu'on sait traiter le palu avec de la quinine. Donc il va les laisser frissonner pendant 2-3 jours, après il guérit. Et bien ce monsieur, hommage à lui, ce fameux Julius Wagner, et ben, vous voyez qu'il a obtenu pour ça le prix Nobel de médecine en 1927. Découverte extraordinaire, fait d'observation, comme quoi, comme l'a dit Karim, l'œil, c'est parfois utile et important. Et grâce à lui, maintenant, on sait qu'il faut respecter la fièvre. Vous voyez, le monsieur, là, il est prêt, sur une gravure de l'époque, à recevoir sa petite perfusion de paludéen pour guérir de sa neurosyphilis. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Alors, prix Nobel de médecine, moi, j'attribue... Alors, chaud ou froid, pardon, je vous en prie, respectez-la. Quand vous courez, vous avez une polypnée pour accélérer votre transport d'oxygène, vous vous tachycardisez, et vous ne bloquez pas ça. Pourquoi vous voulez noyer vos enfants à coups de paracétamol? Il n'y a plus une infirmière derrière qui donne du paracétamol à la personne. Vous voulez gaver vos enfants à coups de paracétamol pour les empêcher d'avoir la défense de ça. Non, mais franchement, c'est un message auquel je tiens beaucoup. J'ai un peu traversé presque toute l'Europe pour ça. Il faut respecter la fièvre, c'est mon ami, et je vous ai dit pourquoi. Ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de cible. Et moi, séquence émotionnelle terminale, je vais rendre hommage à quelqu'un qui n'avait fait aucune étude de médecine, encore moins aucune étude, mais qui avait très bien compris que lorsqu'on transpirait, immédiatement, on guérissait. Eh ben, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'a élevé, quand j'étais chez elle au fin fond de la Bretagne, dans la Bretagne profonde, elle me couvrait d'édredon, elle me filait une soupe chaude, je transpirais, je guérissais. Hommage ému à elle. Sinon, vous allez partir les pieds devant si vous luttez contre la température. Vous allez partir les pieds devant. Et là, c'est une assertion qui est également très simple. Comme le disait Pline, c'est tout simplement pour l'ordre naturel qui fait naître la tête en avant dans la présentation céphalique traditionnelle de l'accouchement, par les pieds en avant. Alors, je suis comme toi, Jean-Yves. J'ai représenté ici les absents, c'est-à-dire Jacques Delanoë et Olivier Létang, qui sont en train de faire leur mercato d'été d'une façon que je trouve pas très élégante, mais ça les regarde. J'espère qu'on leur transmettra la diapo après, sans ça, j'aurais tout perdu. Donc voilà, je termine. Le bon sens près de chez vous, mesdames et messieurs. C'est vrai que l'ordinateur va transformer la vie. L'ordinateur, l'intelligence artificielle appliquée, etc., avec toutes les réserves qu'ont exposées dans leur très, très beau topo Karim et Jean-Yves. Alors vous voyez que pour le... On sera au milieu. Alors j'ai mis un ordinateur qui est à peu près à la portée intellectuelle des docteurs. Et puis, Dr House va être là, et ensemble, on arrivera à faire un diagnostic. Allez, je vous souhaite une longue vie. Messieurs, vous avez été nuls au quiz. Mesdames, je vous offre une revanche. Nous sommes le 6 juin. 4 événements ont marqué le monde. La victoire de Pompée, plutôt de César. L'abdication de Christine... Qui est pour la première comme événement marquant? Lâche. La deuxième, l'abdication de Christine de Suède. Comme j'ai fait le topo, je ne savais même pas qu'elle avait un jour régné. Bon, en tout cas, elle a abdiqué, donc quelque part, elle a dû y être. Le débarquement des Alliés, je crois qu'on en entend un tout petit peu parler. Ou votre soirée au Château des Pères? Ben non, c'est rien de tout ça. Le 6 juin, c'est la naissance de Jean-Paul Legendre. Donc j'ai pudiquement... cacher la date, mon cher Jean-Paul. En tout cas, je te souhaite, au nom de Nominoé, Madame Anatole, il faut venir avec moi, là, je ne devais pas être seul dans ce moment. Marie qui est cachée. Karim, allez, à vous. Monsieur Jean-Paul, vous êtes demandé sur le podium. On peut dire,
on fera plus jamais domino le 6 juin. Hein, c'est terminé, je me suis fait avoir. Alors, je vous donne le la. La joyeux anniversaire, Jean-Paul. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Paul. Il y a là, je pense pas, c'est bon. Il a toutes ses qualités, il adore l'art. Donc ouais, enfin, on essaye de le faire partager surtout. L'art, c'est bien, mais c'est pour être partagé. C'est ce lieu, le Château des Pères, c'est le but. C'est donc c'est un lieu privé. Ah non, 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 bah non, bah non, non, merci pour ce livre. C'est vrai que je suis passionné surtout de sculpture contemporaine et de sculpture monumentale. Donc, vous voyez, il fait nuit maintenant, mais je vous invite à revenir quand vous voulez. C'est toujours ouvert, c'est gratuit. C'est un parc privé, mais qui fonctionne sans aucune subvention, mais qui est tout le temps ouvert au public. Je le précise parce que c'est la réalité, et je ne veux surtout pas avoir des subventions pour qu'on me dicte ce que je dois présenter ou faire. Donc ça, c'est hors de question. On fait exactement ce qu'on veut. L'art, c'est fait pour réagir. Tout ne plaît pas, mais c'est normal. C'est comme l'architecture, c'est comme le bâtiment, c'est tout. Donc ici, on se fait plaisir. Je peux vous annoncer que j'ai une date où, pour ceux qui connaissent, ça va être le 3 juillet, à partir de 18h, vous êtes tous invités, puisque il y a Orlinski qui nous... On va présenter 7 œuvres d'Orlinski, le sculpteur qui est très, très en vogue actuellement. C'est The Monumental. Vous aurez l'ours blanc, que vous avez peut-être vu certains à Courchevel, qui fait 5 mètres de hauteur. Vous aurez le King Kong, son premier. Vous aurez un tigre, la panthère, le cerf, le panda et le dragon. 7 œuvres. Et ça se passe le 3 juillet à partir de 18h. Mais ceux qui ne peuvent pas venir le 3 juillet, il n'y a aucun problème, puisque ça va durer jusqu'à fin septembre. Pendant 3 mois, on aura ces œuvres monumentales. Autrement, je vous conseille, en sortant, bien sûr, vous n'avez pas fait le tour du parc, il y a une petite chapelle. Il y a une sculpture qu'on a acquis l'année dernière. C'est un Christ de Charbonnel. Elle est fermée ? Non, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, la chapelle. C'est juste en sortant, c'est sur votre droite, avant de retourner au parking. Vous allez voir. C'est une œuvre assez exceptionnelle et qui en plus est mise, je trouve qu'elle a trouvé sa place dans ses corps. Elle était exposée à la basilique de Lille. Ils avaient essayé de monter toute une collecte pour pouvoir l'acquérir. Le sculpteur leur avait donné 6 mois. Ils n'ont pas réussi. Et j'ai été très content parce que j'ai réussi à la récupérer et à l'exposer ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est ouvert 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et il y a à peu près 70 œuvres de présenter. Voilà. Merci beaucoup. Et encore, merci pour cette surprise. Mais la prochaine fois, on fera ça le 4 ou le 5 ou le 7, mais pas le 6, hein, quand même pas. Merci. Nous espérons vraiment que vous avez passé une excellente soirée. Et je voudrais bien sûr, avant de vous libérer, donner la parole à nos grands mécènes et nos administrateurs du Fonds Nominoé pour qu'ils vous expliquent les raisons qui les ont conduits à s'engager au service du Fonds Nominoé. Donc je suis ravie de donner la parole tout d'abord à Marie-Vonne Leduf. Merci.
Eh bien, bonsoir à tous. Effectivement, me donne cette mission impromptue de vous motiver à devenir aussi donateur du fonds Nominoé. En tout cas, pour nous, pour Louis Le Duff et moi-même, ce qui avait motivé notre action, c'était le bien-être à l'hôpital. On a vu, nos professeurs nous ont exposé très brillamment que bientôt ils seront remplacés par des robots. Enfin, j'espère comme ce sera le plus tard possible aussi. Mais même ces robots, il faut les payer. Le bien-être à l'hôpital, il faut aussi le payer. Et surtout, nous serons tous de potentiels malades. Nous, tout à l'heure, on parlait même de cercueil. C'était une charmante conversation avec le président. Il a de très beaux ifs, paraît-il, pour faire de très jolis cercueils, si vous voulez être enterré comme les druides le faisaient autrefois. Donc, enfin, avant d'en arriver là... participer aux dons pour le fonds Nominoé et améliorer le passage de nos familles et de nous-mêmes dans les hôpitaux, dans le CHU de Rennes. Bonsoir. Nous avons des ingénieurs formidables. La dernière fois, pour rentrer à Paris, j'ai gagné 20 minutes. Ah bon? Et qu'en as-tu fait? Nous avons des toubibs formidables, n'est-ce pas, Jean-Yves, Karim, Yannick. Ils ont allongé nos vies au point que je vais pouvoir travailler 15 ans de plus que mon père. Ah bon? Et qu'en as-tu fait? J'ai trouvé Nominoé. Je n'ai rien trouvé de plus pratique pour rendre au territoire tout ce qu'il m'a donné. Merci. Alors, pourquoi Nominoé? Pour ma part, c'était pour être utile, rendre service. Et aussi, je retrouve beaucoup d'avantages à travailler avec Nominoé, parce que j'ai rencontré des toubibs, des docteurs, des professeurs, donc les trois qui sont passés là, mais plein d'autres autour, qui sont au CHU, de remarquables, donc, d'abord médecins, mais aussi des hommes agréables. Et Charlie Chaplin a dit... Une journée sans rire est une journée de perdu. Ben, ce soir, j'ai passé une très bonne soirée et j'ai l'impression de ne pas avoir perdu ma journée parce que j'ai bien rigolé. Mais j'ai encore un autre dicton qui dit « Si vous riez trois fois par jour, vous n'aurez pas besoin de voir de docteur. » Et alors, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, je vous engage à rire et à terminer cette soirée dans la bonne humeur. Surtout, au dernier point, n'oubliez pas Nominoé l'année prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci pour cette très belle soirée. Donc, merci au CHU, merci au Fonds Nominoé et puis surtout un merci à Jean-Paul parce que, comme à chaque fois, c'est toujours un honneur de venir ici à Pierret-sur-Seiche dans ce très beau cadre. Voilà, donc c'est surtout une soirée de partage, c'est ça l'important. Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, on a souhaité accompagner ce fonds il y a 5 ans et Jean-Paul, tu y étais pour quelque chose parce que tu avais souhaité voilà, que nous venions accompagner. Et on avait, nous aussi, un petit slogan, c'était « Améliorer la qualité de vie des Brétiliens ». Et je crois que finalement, les travaux et ce soir, le partage de l'intelligence que nous avons eu le plaisir d'échanger, eh bien c'est ça, c'est ce partage et d'améliorer finalement la qualité de vie du territoire. Donc merci et bravo et longue vie à Nominoé. Merci. Un très très grand merci à vous. Nous sommes vraiment très heureux de votre très grande participation ce soir et pour le succès de cette deuxième de soirée, de ce deuxième dîner conférence. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence et puis votre soutien actuel ou futur. Remercier encore tous les participants, tous les intervenants qui ont été tout à fait remarquables. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée aussi pleine de convivialité et de partage, ça a été dit. C'était aussi l'objectif principal de cette soirée. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le CHU, vous pouvez compter sur Nominoé et nous espérons pouvoir compter aussi sur vous. Donc, merci encore et à l'année prochaine, puisque cette The Place to Be, ce dîner-conférence devient The Place to Be, mais ben, on dit à Rennes aujourd'hui. Et merci encore pour votre soutien et pour votre participation. Merci encore. Voilà, et merci à Jean-Paul. On a tellement remercié Jean-Paul qu'il n'a pas voulu monter à la tribune à la fin, mais je voudrais à nouveau le remercier
pour la qualité de son accueil et pour l'importance de son engagement, de son implication. Un très grand merci à tous et à tous les mécènes de Nominoé.